وقالت امرأة تضم رضيعها إلى صدرها: أنا حدثنا عن الأطفال. فقال المصطفى: إن أطفالكم ما هم بأطفالكم، فلقد ولدهم شوق الحياة إلى ذاتها، بكم يخرجون إلى الحياة ولكن ليس منكم، وإن عاشوا في كنفكم فما هم ملككم، قد تمنحونهم حبكم ولكن دون أفكاركم، فلهم أفكارهم، ولقد تؤون أجسادهم لا أرواحهم، فأرواحهم تسكن في دار الغد، وهيهات أن تلموا به ولو في خطرات أحلامكم، وفي وسعكم السعي لتكونوا مثلهم، ولكن لا تحاولوا أن تجعلوهم مثلكم، فالحياة لا تعود القهقرة ولا هي تتمهل عند الأمس. أنتم الأقواس، منها ينطلق أبناؤكم سهاما حية، والرامي يرى الهدف قائما على طريق لا نهاية، ويشدكم بقدرته حتى تنطلق سهامه سريعة إلى أبعد مدى، وليكن انحناؤكم في يد الرامي عن رضا وطيب نفس، لأنه كما يحب السهم الطائر كذلك يحب القوس الثابتة. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit: « Parlez-nous des enfants. » Et il dit: « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais loin de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable.